Всем привет, добрый день. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ligne, à tous les spectateurs de ce cycle des Artist Talk de Course of Knowledge. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e édition. Désolé, c'est parce que j'utilise deux appareils. Donc, le projet qui a été pensé et a commencé avec le début de cette année et a été démarré par trois institutions. L'une de ces parties, c'est là où se trouvent nos spectateurs. C'est le centre des médias de la nouvelle scène du théâtre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg. La deuxième partie, c'est André Bartiniev, notre co-host permanent et notre invité d'honneur qui représente Desna Taganké à Moscou. Et nos partenaires, et nos grands amis, nos collègues, c'est l'Institut français de Saint-Pétersbourg, donc, qui également se trouve à Saint-Pétersbourg. Donc, bienvenue à tous ceux qui commencent à nous suivre. Donc, la diffusion en russe, c'est sur VK, la diffusion en français sur Facebook. En plus, cet événement a lieu aussi offline. Voilà, avant de passer la parole à André, je tiens à présenter un peu nos invités. C'est la compagnie très internationale, Esteban Fourmi et Aoi Nakamura. Si je suis correct à lire le nom de leur projet, leur compagnie, elle s'appelle AFIE. Est-ce que je n'ai pas fait, donc fait c'est F, c'est de la cyrillique, n'est-ce pas? Merci. Donc la compagnie existe depuis 2013. Elle a beaucoup de succès et elle a eu beaucoup de tournées avec son projet. Et c'est à la jonction du théâtre et de la danse, de la performance chorégraphique, et bien sûr des nouvelles technologies avec beaucoup de réalité augmentée, de XR, réalité XR. Et donc, j'attends beaucoup de cette soirée, j'attends les détails. Donc maintenant, André, c'est à vous. Bonsoir, chers amis, je suis très heureux de vous voir. Sur notre mercredi éducatif. Donc, je vous invite à notre galerie sur Taganka. Nous, on a ouvert un nouveau spectacle, ceux qui regardent les terriens. Il y a 1500 œuvres et la galerie, donc l'ouverture de la galerie, c'était vraiment un sold out total. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Donc, aujourd'hui, notre rencontre est consacrée à une méthode assez unique et un moyen assez unique dans la pratique de l'art contemporain. C'est le corps humain, c'est le mouvement physique, mais par le corps du corps humain. Donc le corps humain comme signe, comme clé, comme conducteur électrique, comme une tache lumineuse et comme une brique dont on fait une composition, on crée une composition dans l'espace. Et depuis quelques semaines, on parle déjà de la jonction, de la synthèse entre l'art et les nouvelles technologies, avec les nouvelles idées de notre civilisation. Et c'est aujourd'hui que nous tenons à étudier quel rôle joue le corps humain dans tous ces processus, s'il n'a pas en fait perdu sa brillance naturelle. Est-ce que notre existence n'a pas perdu son actualité? Et donc, nous allons voir ensemble les points de vue de nos invités, comment ils utilisent
leur corps, comment les inscrivent dans le contexte des arts visuels, des pratiques visuelles. Et nous allons apprendre ce qui est le plus intelligent. Il regarde avec un bout de papier et il va noter toutes les bonnes idées qui vont naître pendant cette soirée, tout comme moi, parce que moi, je suis très archaïque. J'utilise une méthode assez archaïque. J'utilise le papier et le stylo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos portables ou vos smartphones. Et sur cela, comme ça, vous allez vraiment vous éduquer, vous allez vous développer et peut-être vous allez inventer vos propres procédés. Donc, on commence. Donc, it's for you. Super, merci. Oui, c'est à vous. À vous la parole. Eh bien, merci beaucoup déjà de m'avoir invité ici pour vous parler de la compagnie, notre compagnie qui s'appelle AI Company. On est très honorés de revenir en Russie. Donc, je vais vous parler de la compagnie, un peu un aperçu de notre travail à travers chronologique. Je vais partir du début et puis on va arriver où on en est aujourd'hui en tant que... qu'est-ce qu'on est en train de créer, qu'est-ce qu'on est en train de penser en ce moment. Donc, je m'appelle Esteban et je travaille avec Aoi. À la base, Aoi et moi, on est danseurs. Donc, on a une formation classique. On s'est entraîné, pour Aoi, c'était au Japon et en Allemagne. Pour moi, c'était en France et puis en Allemagne. Et puis, Aoi et moi, on s'est rencontrés... à Londres, dans une compagnie, dans la compagnie de Jasmine Vardimon. Avec Jasmine, on a travaillé et on travaille toujours. Ça fait 12 ans. Et puis pour moi, ça fait à peu près 14 ans que je travaille avec Jasmine Vardimon. C'est juste pour vous dire que pour vous situer à peu près d'où est-ce qu'on part, c'est que nous, on est à la base danseurs de formation classique. Et puis, notre curiosité, je pense, nous a amené à bouger entre le classique et le contemporain et la danse théâtre. Et donc, la danse théâtre avec le travail de Jasmine, où Jasmine, elle travaille beaucoup avec... elle ne travaille pas avec des danseurs, elle travaille avec des humains, des personnes. Donc, vraiment, c'est une relation très intime qu'on a avec Jasmine. Elle nous travaille vraiment au corps et à l'esprit, et elle nous fait vraiment... C'est avec elle qu'on crée les pièces. Et donc, je dis ça, et c'est très important parce que c'est là où on a appris à devenir danseur, c'est là où on a appris à devenir professionnel, à être attentif aux détails, à l'exécution, aux messages auxquels on veut faire passer, aux spectateurs. Et encore une fois, ça, c'est très important, surtout quand on parle de nouvelles technologies, de ne pas se perdre dans la nouvelle technologie et toutes les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais juste préciser de où est-ce qu'on vient. Et désolé si je parle un peu vite pour les traducteurs. Donc, on va commencer avec notre premier travail, en fait. Et là, je vais demander à l'équipe technique, si c'est possible, de partager la première vidéo qui s'appelle Kimbaku. Donc, je vais arrêter mon écran. Et si c'est possible pour l'équipe technique de... Cette pièce, en fait, c'est notre premier travail. Et en fait, comment c'est arrivé? Tout simplement que Aoi avait eu l'opportunité, a eu l'opportunité d'avoir une résidence dans une école de danse à Londres. Et elle m'a demandé si je voulais la rejoindre pendant cette résidence. Et moi, je lui ai répondu oui, mais à condition de faire quelque chose, de vraiment le finir
et de le présenter et de le tourner vraiment, de ne pas faire juste un petit spectacle entre nous, on présente entre des copains, puis voilà, c'est fini, quoi. Donc vraiment d'avoir déjà l'ambition de pouvoir tourner cette pièce. Et la deuxième condition aussi qu'on s'était mis tous les deux, d'accord, c'est qu'on ne voulait pas danser. Parce que le problème pour les danseurs, c'est qu'on est tellement habitué à bouger, à se mouvoir d'une certaine manière, et surtout après avoir travaillé avec Jasmine pendant tant d'années, le risque aurait été de tomber dans ce que nous, on savait faire déjà, de ce qu'on faisait avec Jasmine. Donc, on s'était fixé les règles de ne pas danser et de devoir exprimer quelque chose en utilisant tout ce qu'il y avait d'accessible autour de nous. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec... on a utilisé un microphone, on a utilisé des visuels en direct, en live. Donc, il y avait un gars avec nous qui faisait les visuels en live. On a utilisé un décor aussi. Le décor, il est assez particulier. C'est un espèce de plastique qui se détruit au contact de l'eau. Mais l'eau, il faut qu'elle soit à une certaine température aussi. Et donc, cette pièce-là, elle durait pendant 3 heures et elle a été pour la première fois présentée au Spiel Festival of Performance at Ipswich. Spiel Festival of Performance, c'est un super festival qui existait pendant plusieurs années, qui avait 2 éditions, une année à Londres, une année à Ipswich. Et nous, on est allé voir ce festival à Londres et de voir ces artistes qui utilisaient leur corps à la base de leur pièce, mais qui ne se limitaient pas avec une catégorie de « moi je suis danseur, moi je suis circassien », mais vraiment qui, voilà, qui s'ouvraient. Nous, ça nous a ouvert les yeux, ça nous a vraiment... voilà quoi, ça nous a ouvert les yeux. On s'est dit, ouais, pourquoi se limiter à que ça, quoi. Donc, voilà. Donc, on a créé cette pièce qui durait 3 heures. Et c'était aussi une manière de un peu se confronter, et confronter le public à quelque chose d'assez long qui prenait du temps à se développer. Donc, la pièce, elle avait un début, elle avait un milieu, elle avait une fin. Mais bon, vous voyez, il y avait 3 heures d'écart entre les deux. Donc c'était aussi donner un petit challenge au public de s'investir dans la pièce et voilà, donc le public aussi, il n'était pas jusque dans le cube, il était, donc les gens pouvaient rentrer et sortir comme ils voulaient de la salle et tout ça, donc voilà, donc on chorégraphiait déjà avec l'ambition et la volonté de s'adapter à l'inconnu, parce qu'on ne savait pas comment les gens ils allaient réagir, on ne savait pas quelles auraient été les réactions des personnes pendant les 3 heures du spectacle. Donc déjà, il y avait ça. Et puis, c'est aussi dans cette pièce-là qu'on s'est découvert l'envie de mettre le spectateur au centre de notre travail. Et l'image à gauche, elle représente bien la phrase, quoi. Et vraiment, c'est aujourd'hui, même toutes les productions après ça, c'est vraiment notre focus sur notre travail, c'est comment mettre le public, l'audience au centre de notre travail, qui devienne une pièce mécanique cruciale au mouvement de l'engin, au mouvement de la pièce, au déroulement de la pièce. Donc ça, c'est très important. Et voilà, c'est comment on peut essayer de... Quand toi, en tant que performeur, tu vas sur scène, tu y vas tu passes par certaines émotions, et certaines sensations, et on vit ça. Et moi, ce qu'on aimerait essayer de faire, c'est aussi de donner cette sensation au spectateur, de passer à travers une journée de sensations, d'émotions, mais plus personnel à leur niveau. Donc vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. Donc voilà, c'était Kimbaku, on l'a créé en 2014, et voilà, c'était sympa. Maintenant, je vais demander si c'est possible de partager la deuxième vidéo de Whist. Drink not yet.
Merci. Donc, oui, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle notre première production, dans le sens où c'est la première production où on a demandé des subventions, où vraiment on a pu pouvoir créer vraiment comme on l'imaginait, vraiment. Donc, jusqu'au bout, la Kimbaku, ça, c'était vraiment un petit projet fait avec les moyens du bord et tout ça. Donc là, c'est vraiment notre premier major création, WIST. Et encore une fois, le but de cette pièce, c'était vraiment de on se posait la question comment on peut prendre le spectateur et le mettre au centre de l'histoire. Et en 2014-2015, on est voilà, à travers les réseaux sociaux et la télé, japonaise pour Aoi et française pour moi, on a découvert un truc qui s'appelle réalité virtuelle. Et on s'est dit, bah, ouais, ça a l'air pas mal. Enfin, nous, ce qu'on savait, c'est que ce qu'on voyait, c'est que tu mettais le casque et que le public était vraiment trompé, en fait. Il se croyait vraiment dans un autre univers. Et on s'est dit, ouais, bah, ça pourrait être pas mal pour nous pour pouvoir explorer justement comment on peut mettre le spectateur au centre de notre histoire, de notre expérience. Et du coup, on a fait des recherches et donc WIST. Au bout, vous avez vu, donc c'est une performance qui dure une heure et on a chaque heure 20 spectateurs dans la salle avec des casques de réalité virtuelle. Et les gens, ils vont interagir avec les objets qui sont présents dans la salle, qui eux représentent nos personnages de l'histoire. Les casques vont pouvoir reconnaître les objets. Et donc, le spectateur va pouvoir déclencher l'objet. Et une fois qu'ils déclenchent l'objet, ils arrivent dans un monde à 360 degrés avec un film. Et mais là où ça devient intéressant, c'est que nous, on a travaillé avec une compagnie, une digital company qui s'appelle Happy Finish, qui est basée à Londres. Et on a réussi à créer ensemble un truc vraiment très unique à WIST, c'est que on peut capturer le regard du spectateur quand lui regarde le film à 360 degrés. Et en partant de ça, du coup, on s'est dit, tout le monde ne va pas regarder la même chose. Donc, il faudrait créer une histoire qui puisse laisser le public pouvoir voyager n'importe où dans ce monde digital, qui est le monde à filmer à 360 degrés. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Les gens, ils vont tous commencer au même objet, mais en fonction de ce qu'ils vont regarder dans le casque, ça va les diriger dans différentes directions. Ça va les diriger dans différents objets dans la salle. Et les différents objets vont leur montrer différentes vidéos en fonction de ce qu'ils ont vu dans la scène précédente. Donc ça, c'était aussi pour nous un moyen de pouvoir les laisser libres, libres de pouvoir interpréter, libres de pouvoir réagir, libre de pouvoir regarder ou d'ignorer ou d'éviter de regarder justement des choses. Et donc c'est comme ça qu'on a vraiment construit toutes nos scènes qu'il y a dans cette histoire. Et aussi le but de cette pièce, c'est que voilà, c'est notre première pièce, personne ne nous connaissait et nous il fallait qu'on puisse, nous on voulait tourner, nous on voulait voyager le monde avec nos créations, on voulait rencontrer le public. On voulait les confronter à cette pièce-là. Donc, quand on a vu la réalité virtuelle, qui utilisait juste un casque, et dans ce casque, c'est juste un fichier électronique qu'on met dans le casque, et ensuite le casque, il joue la scène. Nous, on a vu la possibilité donc, de pouvoir créer des décors gigantesques. On a filmé dans trois différents lieux. Il y avait une maison abandonnée dans laquelle on a filmé. Il y avait une usine désinfectée aussi. On a pu construire des décors dedans et filmer. Donc, c'était vraiment un truc énorme qui était impossible à tourner en vrai, quoi. Mais du coup, comme on l'a filmé, on l'a mis dans un fichier électronique qui peut être joué dans un casque, ben voilà, on avait juste besoin des 20 casques pour faire tout le tour du monde. Toi, c'était facile pour les théâtres de pouvoir nous accueillir. Mais comme dans la salle, il n'y a pas il n'y a pas d'acteur dans la salle. Le seul élément vivant qu'il y a dans la salle, c'est le public. Et encore une fois, c'était ça qui était très intéressant pour nous. C'est comment pouvoir
chorégraphier le seul élément vivant qui était dans notre pièce, donc le public, comment chorégraphier, comment jouer avec l'inconnu, en fait, parce qu'on ne sait pas comment les gens ils vont réagir. Donc c'est pour ça, Whist, c'est vraiment... Si je veux parler de Whist vraiment en détail, ça pourrait me prendre 3 heures. C'est 3 heures minimum, généralement, quand on parle de Whist en détail. Donc là, je vais vraiment faire un overview du truc, mais donc on vraiment manipule le spectateur. Lui, il ne sait pas qu'il est manipulé, mais nous, on le manipule à distance avec les casques, comment on a chorégraphié les scènes et tout ça, et comment ils interagissent avec les objets dans la salle. Et donc, Whist, ouais, et c'est toujours un succès parce que ça nous a pris 3 ans pour faire la pièce, du début de l'idée, la première idée jusqu'à la fin, ça nous a pris 3 ans. Et aujourd'hui, elle tourne toujours, donc on est très contents. Et aussi, ce qui est spécial pour le public dans la pièce, c'est qu'à la fin de la pièce, il y a un numéro qui s'affiche sur leur masque, un numéro unique qui dépend de leur voyage à travers la pièce. Et quand ils nous rendent les casques, nous, on leur explique qu'avec ce numéro-là, ils peuvent aller sur notre site internet, ils ont un code à rentrer, et puis là, ils vont pouvoir cliquer leur numéro, et ça va leur donner une analyse de leur personnalité qui dépend du parcours qu'ils ont pris pendant le spectacle. Parce qu'en fait, dans Whist, il y a 76 possibilités pour explorer l'histoire. Donc vraiment, à chaque moment, c'est interactif. À chaque moment, on capture le regard du spectateur et lui, il ne sait pas que nous, on le capture son regard, mais nous, on le sait et le programme, il le sait. Donc le programme va vraiment le diriger dans un parcours très spécifique à son regard, ce qu'il a regardé ou ce qu'il ne l'a pas regardé. Parce que, en fait, la pièce, elle est inspirée du travail du psychanalyste Freud et aussi inspirée d'un filmmaker japonais qui s'appelle Suji Terayama, qui était à la base un poète, qui ensuite a fait du experimental theater dans les années 60 et puis des films expérimentaux. Et vraiment, encore une fois, Suji Terayama, il nous a vraiment ouvert les yeux, quoi. Quand on a découvert son œuvre, ça nous a... En fait, il nous a donné le droit d'être ce que nous étions, ce qu'on voulait exprimer, de la manière dont on voulait le montrer. On est assez timide en fait à la base et vraiment de voir son travail, de voir que lui il avait osé, et ben ça nous a vraiment aussi donné des ailes. Et puis c'est comme s'il nous donnait l'autorisation, allez-y les gars, faites ce que vous avez envie, quoi, de la manière dont vous avez envie de le montrer. Donc vraiment, Suji Terayama, ça nous a vraiment ouvert les yeux. Donc là par exemple, c'est une scène qu'on voit dans le casque de réalité virtuelle. Et cette scène-là, pourquoi j'ai pris cette photo, c'est parce que là, on est en train de regarder du point de vue d'un acteur qui est assis sur une chaise et il voit donc une femme qui est devant lui. Et dans la pièce, la femme elle danse devant lui, mais vous voyez, la femme, en fait, elle se transforme en espèce d'univers, en fait. Et elle se rapproche de lui, puis ça continue. Et cette image-là, pourquoi je vous montre cette image-là, c'est parce que nous, le but, en fait, ce qu'on avait trouvé intéressant dans la nouvelle technologie, la réalité virtuelle, c'est qu'on pouvait utiliser les outils du théâtre, de la scène, la chorégraphie, la mise en scène, la lumière théâtrale, et de pouvoir la mixer avec les outils d'une production de film, en fait. Les effets spéciaux, la nouvelle technologie, donc de pouvoir capturer le regard du spectateur, de savoir où est-ce qu'il regarde, et puis de pouvoir... lancer l'histoire à travers son regard. Donc vraiment, le but pour nous d'avoir fait cette pièce, c'était le fait qu'on puisse mixer justement ces deux différents éléments qui sont vraiment distincts. Il y a vraiment le théâtre et le film, et là, c'était vraiment combiné ensemble. Et donc pour ça aussi, on a travaillé avec d'autres artistes qui nous ont inspiré la pièce. Ça, c'est les objets qu'il y a dans la salle. Et les objets, ils ont été designés avec un visual artist qui s'appelle James Shaw, qui est assez connu aussi. Il y a des exhibitions de lui à MoMA, à New York, tout ça. Enfin, il est super connu. Et il y a aussi deux musiciens qui viennent de deux mondes différents,
Il y a Joseph Van Wissom, qui est un joueur de lutte, qui a notamment joué pour Wim Wenders, non, Jim Jarmusch, excusez-moi. Et il y a aussi un autre composeur qui s'appelle donc Scott Gibbons, qui lui travaille beaucoup avec Romeo Castellucci et un groupe qui s'appelle Group Fire Bee, qui font des feux d'artifice, mais ils mettent en scène les feux d'artifice avec de la musique et tout ça. Donc, mais Scott et Joseph viennent vraiment de deux mondes différents. Scott, il joue beaucoup de la musique, il crée beaucoup de la musique électronique, et Joseph, lui, il joue de la lutte. Et c'est deux mondes différents encore. Et pareil, c'était l'intention, en fait, était volontaire de vraiment les faire rencontrer, de les faire travailler ensemble. C'est pareil avec le visual artist qui a créé ces pièces qui sont dans la salle. Les pièces devaient interagir avec le casque. Donc, en fait, James, il a travaillé avec le programmeur, celui qui codait tout ça. Et donc, ça, c'est encore deux mondes différents. Ils ne seraient jamais rencontrés si on ne les avait pas mis ensemble, quoi. Donc, encore, c'est deux mondes qui se confrontent et qui se mixent, quoi, pour faire une chose. Et donc, voilà, c'est ça que nous, on avait aimé dans le challenge de créer cette pièce qui s'appelle Whist. Et donc la pièce, voilà, elle est tournée, elle tourne toujours, et voilà. Je pense que j'oublie plein de choses, mais bon, c'est assez complet. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Il y a des performeurs. Je voudrais juste rappeler qu'on a la possibilité de poser des questions. Je m'adresse maintenant au public. Donc, il suffit de laisser un commentaire sous le streaming sur Facebook ou bien sur VK pour le russe, ou bien vous pouvez poser les questions depuis le centre de médias, le centre médiatique, en utilisant le micro. Et peut-être ce sont vos questions qui susciteront des réponses inhabituelles de la part de l'artiste, des réponses qu'il n'avait pas peut-être préparées en avance. Et donc, par tradition, la première question vient d'André Barthénev. Ah, j'ai pas fini. Non, attends. Oui. Ok. No question. Yes, please, Esteban. Ouais. Thank you. Merci, Anton. Et ouais, ce qui est intéressant, en fait, pour moi, c'est plus d'avoir des questions du public et de pouvoir avoir une conversation. Au lieu que ça soit moi qui dépique tout, quoi. Et juste pour finir, à propos de Whist, justement, les pièces qui sont dans la salle, elles ne sont pas faites juste au hasard. Elles ont vraiment aussi une histoire qui se déroule du début à la fin. Et donc, vraiment, on demande vraiment au public d'interagir avec les objets. Donc, c'est vraiment quelque chose physique, chorégraphié pour le public. Okay, on les encourage à explorer la pièce. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on joue la vidéo de Wound. Donc, Wound, en fait, c'est une vidéo qu'on vient de présenter avant qu'on ait parti sur le live. Donc, si c'est possible de partager cette vidéo. Merci. Donc, comme Whist, ça nous a pris 3 ans à créer au total. Entre-temps, il y a la compagnie de Jasmine Bardimon
qui nous a proposé de venir chorégraphier là, sa compagnie junior. Donc en fait, elle a une compagnie où elle, justement, elle délivre tout un cursus d'un an pour des jeunes professionnels en devenir. Et donc, on nous a proposé de faire ça. Et comme on venait tout juste de filmer justement la production pour WIST, nous, pour nous, c'était très intéressant de revenir sur scène et de vraiment de pousser encore plus loin tout ce qui est imagerie, tout ce qui est visuel sur scène. On voulait vraiment jouer. On s'était un peu... la scène nous manquait et on voulait vraiment rejouer avec les visuels sur scène. Et donc... Je pense que ça a été un peu frustrant pour ces jeunes danseurs parce que, en fait, la pièce, il n'y a pas beaucoup de danse dedans. Tout était très visuel et vraiment très fixe sur la musique. Donc, les images, vraiment, entre la lumière, la musique et le mouvement des danseurs, vraiment, fallait que ça soit vraiment parfait, quoi. Comme une. Vraiment parfait. Sinon l'image ne marchait pas. C'était vraiment cassé. Et donc du coup, quand Anton il nous a proposé de faire de montrer quelque chose à The New Stage, tout de suite on a pensé à cette pièce. Je sais pas pourquoi, mais tout de suite on a pensé à cette pièce. Et c'est vrai que cette pièce on en a jamais vraiment parlé. Donc vraiment voilà, les gens qui ont vu ça à The New Stage, ils ont eu quelque chose de vraiment unique en fait que peu de gens ont vu. La pièce a été faite en 2016 et à cette époque-là, il y a eu des attentats, il y avait beaucoup de débats qui revenaient sur l'identité, sur les mouvements des populations à travers les continents et tout ça. Et donc, du coup, nous, ça nous avait un peu pris au corps tous ces débats-là, tout ce qui se passait à ce moment-là, parce que moi je suis français, mais j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Angleterre. Aoi, c'est pareil, elle est partie du Japon quand elle était très jeune, elle avait peut-être 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour nous, tout ce qui est identitaire, tout ce qui est question de maison, où est-ce que tu te trouves chez toi, et toutes ces nationalités-là, tu vois, nous, on est habitués à ça. On vit avec ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on avait envie d'explorer pendant cette pièce. Voilà. Et maintenant, je vais demander si c'est possible de pouvoir partager la vidéo de Zero AR, s'il vous plaît. Donc, Zero AR, c'était notre deuxième major production. Cela fait suite à une commission, une demande de Sadler's Wells à Londres, qui a vu notre spectacle WIST et qui nous avait fait
partager l'envie de nous demander si on était intéressé d'aussi créer une pièce en réalité virtuelle par rapport au théâtre de Londres, de Sellers Wells. Et nous, à l'époque, comme on n'aime pas trop se répéter, on aime bien explorer des nouvelles choses à chaque fois, on leur a dit que bah, la réalité virtuelle, on l'avait déjà fait, qu'on avait déjà exploré, que voilà, on était... voilà, qu'on regardait à d'autres choses. Et justement, à cette époque-là, donc c'était en 2017, il y avait Apple qui commençait, qui avait tout juste lancé son nouveau AR kit, son kit de réalité augmentée. Et donc, du coup, on a parlé au théâtre, on leur a dit, voilà, il y a ça, la réalité augmentée, on aimerait vraiment explorer cette nouvelle technologie et nous, ça nous intéresserait de faire quelque chose comme ça. Ils ont accepté. Et en fait, la commission, ce qu'ils ont demandé, c'est de pouvoir créer une pièce qui était basée sur quelque chose pour fêter leurs 20 ans au théâtre et de se baser sur une pièce qu'ils avaient produite. Et donc, on a regardé dans leur catalogue et une pièce qui nous avait vraiment marqué, c'est la pièce de Akram Khan, Sidi Larbi Sherkawi et Nitin Sonnet, qui s'appelle donc Zero Degrees. Et c'est une pièce qui a été créée il y a 10 ans. Et dans cette pièce, les deux danseurs, Akram et Sidi Larbi Sherkawi, ils parlent justement d'identité, ils parlent du point zéro où quelque chose se transforme, où c'est un moment de transition, par exemple de l'eau qui devient solide, qui vient de la glace, tu vois, et cette transition où quand tu traverses un continent, une frontière. Donc moi, franchement, je vous recommande d'aller voir leur pièce, si vous pouvez la trouver sur Internet, qui s'appelle donc Zero Degrees, de Akram Khan et Sidi Larbi Sherkawi. Et nous, on avait trouvé leur... Le message qu'ils exploraient, en fait, les thèmes qu'ils exploraient dans leur pièce étaient vraiment superbes pour nous. Et puis, comme on parlait avec justement la réalité augmentée, on avait trouvé ça intéressant de aussi superposer donc ces questions de transition, de transition, et avec la réalité augmentée qui, elle, utilise aussi la réalité, mais aussi quelque chose de virtuel, quelque chose d'invisible qui utilise l'espace réel. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est parti sur cette pièce-là. Pour cette pièce-là, on l'a revisitée, en fait. On en a fait une petite expérience de 10 minutes qu'on essaie qu'on présente, généralement, qui est gratuite, accessible à tous et qui se voit sur iPad. Et donc, du coup, le setup pour cette production, c'est 5 iPads qui sont connectés entre eux. Et donc, du coup, il y a 5 spectateurs à chaque fois. Et ce qui est vraiment cool pour les spectateurs, c'est que tout le monde voit la même chose en même temps. Donc, tu peux vraiment bouger autour du contenu en 3D et faire vraiment ce que tu as envie de bouger, de t'éloigner, de te rapprocher. Tu peux vraiment être comme si tu étais ton propre directeur, quoi. Et ce qui est vraiment unique aussi par rapport à notre pièce, Zero AR, c'est qu'on a créé des interactions avec le contenu en 3D. Donc ça, par exemple, je vais prendre un exemple. Au début de la pièce, il y a possibilité de mettre son doigt sur l'écran et de dessiner sur l'écran. Mais ce dessin-là, il devient 3D autour du contenu 3D. Et si je dessine sur mon écran, ça veut dire que tous les autres spectateurs vont aussi voir ce que je suis en train de dessiner sur mon écran, dans l'espace virtuel en 3D. Et etc. Same pour les autres, pareil pour les autres spectateurs qui eux interagissent sur leur écran et moi je vais voir ce qu'ils vont faire sur leur écran. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment unique par rapport à notre pièce. Et aussi il y a quelque chose qui est unique, c'est que toute la lumière qu'il y a sur le contenu 3D est en temps réel. Ça veut dire par exemple que si par exemple on le fait dehors et qu'il y a de l'ombrage, si le soleil va bouger au fur et à mesure de la journée, les ombres vont être différentes sur les caractères en 3D qui sont représentés dans les iPads. Donc voilà, c'est vraiment les petites touches uniques qu'on voulait apporter à la pièce. On l'a produite et on l'a montrée dans plusieurs festivals. Et on a été invité par un festival à Canterbury, qui s'appelle Boeing Festival, qui est un festival pour les familles.
et pour les enfants. Et ça a vachement marché. Et ce qui était beau, en fait, c'est que on vient. En fait, c'est presque on s'en fout de la pièce, on s'en fout de ce qu'on a créé. En fait, c'est ce qui était important et ce que la pièce crée, c'est cette interaction entre les différentes générations. Parce que généralement, les enfants, ils vont être attirés par l'iPad, ils vont vouloir jouer, donc ils vont se l'approprier. Et comme c'est vraiment divisé en petites sections et il y a des interactions, les enfants, ils peuvent vraiment jouer et créer leur propre jeu. Et ensuite, les parents, ils vont être attirés par leurs enfants, et leurs enfants vont montrer aux parents ou aux grands-parents comment jouer. Et donc, vraiment, du coup, il y a vraiment une espèce de trio qui se forme entre la pièce, les enfants et les parents. Bon, il y a vraiment un truc qui se forme, qui se forme, que nous, on n'a pas créé. Nous, on a juste créé l'outil pour pouvoir que cette forme se crée entre les enfants, le travail et c'est ça qu'on aime faire aussi dans nos créations, c'est de pouvoir proposer quelque chose au spectateur. Mais c'est ensuite au spectateur de se l'approprier et de le mettre en forme, de lui faire prendre vie, de lui faire prendre un sens, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert aussi. On l'a fait vraiment sans vraiment le savoir, et c'est ce qu'on a découvert. Et maintenant, on utilise ce qu'on a appris pour notre prochaine production, justement. Donc, c'est pareil, je reviens un peu sur Whist. Whist, en fait, il y a une histoire, mais il y a 76 possibilités pour explorer l'histoire. Et du coup, ce qui se passe à la fin de Whist, c'est que les gens, ils enlèvent leur casque et ils commencent à discuter entre eux. Et ils vont discuter de la même chose, mais ils ne vont pas avoir vu exactement la même chose. Et c'est là que Whist commence à prendre forme. Whist doesn't exist pendant le spectacle. Whist existe seulement après le spectacle, quand les gens, ils se l'approprient et discutent entre eux et essayent de former la pièce. Et donc, voilà, encore une fois, il y a une espèce d'onde qui s'est créée pendant le spectacle, et l'onde elle prend vie, elle prend forme, et tu vois, elle commence à prendre vie après le spectacle soit terminé. Et c'est ça qu'on aime faire, créer une résonance dans le public après le spectacle. C'est ça qu'on essaie de chercher dans nos créations. On aime bien ce challenge. Donc avec Zero AR, on a utilisé une autre technologie qui s'appelle donc la réalité augmentée. Et pour ça, on a utilisé la motion capture. La motion capture, c'est quand tu captures du mouvement. Et pour capturer le mouvement, on a donc cherché qui était la meilleure méthode entre le prix que ça coûte et la qualité des data que tu vas obtenir avec la capture du mouvement. Et donc, on a trouvé cette combinaison qui nous permettait, en tant que danseur, de pouvoir bouger, parce que sinon, il y a des combinaisons qui sont tip-top, qui vont capturer super bien le mouvement, mais c'est impossible de bouger, tu ne peux pas te rouler par terre, tu peux pas... Toi, ce n'est pas pratique pour nous en tant que danseur. Donc, on a trouvé ces combinaisons qui étaient parfaites pour nous. On a travaillé donc avec des techniciens qui ont vraiment développé les caractères en 3D, qui ensuite ont implémenté la motion capture des danseurs sur les personnages en 3D. On a aussi scanné en 3D les visages de Sidi Larbi et Akram Khan, qu'on les a mis sur les personnages en 3D. Et du coup, voilà, c'est devenu ce qu'on appelle Zero AR. Voilà. Donc ça a été et puis pareil, ça tourne assez facilement parce que c'est juste 5 iPads. Vraiment, il y a rien d'autre. On n'a pas besoin de son, on n'a pas besoin de lumière. C'est vraiment que 5 iPads. Ça peut être dehors, en intérieur. Et c'est ça qu'on voulait. C'est qu'on voulait vraiment pouvoir être accessible à tout le monde. Même si tu ne connais pas la pièce, c'est pas grave. Toi, tu vas pouvoir t'amuser en regardant cette expérience de 10 minutes. Mais par exemple, si toi, tu as vu la pièce il y a 10 ans, eh ben, tu vas reconnaître la chorégraphie, tu vas reconnaître la musique. Qui est vraiment excellente. Toi. Donc, voilà, c'était aussi le challenge pour nous de pouvoir parler à deux publics vraiment très différents, jeunes et moins jeunes, publics qui connaissent la pièce, publics qui ne connaissent pas la pièce,
public qui sont habitués à la nouvelle technologie, public qui ne sont pas habitués à la nouvelle technologie. On n'a pas envie d'effrayer les gens. Notre but, ce n'est pas de les faire courir, qu'ils s'échappent. Notre but, c'est de pouvoir qu'ils essayent la nouvelle technologie. Donc voilà, ça c'était 0 et 1. Et maintenant, je vais vous demander si c'est possible de pouvoir jouer la dernière vidéo de Reboot. Merci. Donc, Reboot, cette pièce, elle n'a pas été encore créée. Ça fait 3 ans qu'on travaille déjà dessus, qu'on recherche sur cette pièce. C'est compliqué d'en parler aussi, parce que justement, on est vraiment en plein dedans. Ça fait 3 ans. J'ai du mal à en parler, donc désolé. Ce que vous avez vu là sur la vidéo, c'est un prototype. C'est vraiment... 2 semaines dans un lieu où on s'est enfermé avec nos collaborateurs et on a essayé de créer, de voir ce que pouvait, quelle sorte de technologie on pouvait utiliser dans la prochaine pièce qui s'appelle donc Reboot. À la base, Reboot, ça vient de l'envie de parler d'un sujet qui est énorme, qui est la vie et la mort. Voilà. Donc, dans notre vie personnelle, on rencontre de plus en plus la mort et puis aussi la vie. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui nous bouge beaucoup en ce moment. Et aussi, c'est l'envie de reboot la sensation du public, de comment on expérience une pièce, une performance sur scène. Et encore une fois, de pouvoir prendre le spectateur, de le mettre au milieu de la pièce, de vraiment créer quelque chose qui part de lui, en fait. Et donc, en gros, pour faire simple, c'est qu'on prend le spectateur, on le met sur scène à l'intérieur du décor, et il aura des capteurs de biosensors sur lui qui seront implémentés dans son costume. Et ces bio et les data qu'on va obtenir de son corps vont être utilisés par une entité, une espèce d'organisme vivant qui, lui, va pouvoir s'adapter, évoluer et répondre à son environnement. Et donc, quand je parle de ça, je parle bien sûr de la scène, du décor, des lumières, de ce que tu vas voir sur scène, mais aussi des costumes qui vont interagir, Donc vraiment, c'est de créer un organisme sur scène, mais qui se base vraiment à la base, qui part de la base de prendre les biodata du spectateur. Donc le pulse, la respiration, et de créer un programme qui puisse traduire ces éléments purs, raw elements, into emotional state. Donc si notre espace peut comprendre l'émotion dans laquelle le public est sur scène au moment même, donc comment il réagit, comment il évolue, et en fait ça c'est parti de, parce qu'on veut parler de la vie, de la mort, puis on recherchait vie, mort par rapport, mais pas que
que nous, les humains, mais la vie et la mort d'une langue, d'une civilisation, d'une croyance. Et donc, vraiment, c'était vraiment très large comme sujet de recherche. Et à travers notre recherche, on a trouvé cette histoire d'une petite fille, c'est une vraie petite fille qui est thaïlandaise. Et à l'âge de 2 ans, elle a été diagnostiquée. On a découvert qu'elle a eu un cancer du cerveau qui était très sévère. Donc, elle a eu plusieurs opérations. Et ouais, ils voyaient bien qu'ils n'allaient pas pouvoir la sauver. Et son père, c'est un scientifique. Et donc, il a fait des recherches il faisait des recherches pour voir comment il pouvait sauver sa petite fille. Et il a trouvé la cryonization. En fait, c'est une compagnie qui s'appelle Alcor aux États-Unis qui congèle soit les corps, soit les têtes des gens dans l'espoir de pouvoir les faire revivre dans un futur prochain quand on aura la technologie justement pour pouvoir soigner les cancers et de pouvoir refaire vivre les gens. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour cette petite fille de 2 ans. Elle a été déclarée décédée cliniquement. Et donc, tu as un corps qui est venu, qui l'a congelé, qui l'a transporté dans sa facility aux États-Unis et qui l'ont donc préservée dans la glace. Et donc, voilà, nous, on s'est imaginé... qu'est-ce qui pourrait se passer quoi, si demain on avait ces technologies pour pouvoir faire vivre des gens dans une autre forme. Donc vraiment, en fait, Reboot, ça parle vraiment de notre société, de ces symboles, mais ces symboles qui ont été créés il y a très très longtemps et pour lesquels on a oublié leur signification. Et en même temps, en parallèle, de parler de notre possible, notre... futur possible, en fait. Donc voilà, c'est de vraiment superposer d'essayer de connecter vraiment le passé et le futur ensemble dans ce qui s'appelle Reboot. C'est en gros, c'est ça, quoi. Ça va se passer en plusieurs parties. Il y aura une partie online, il y aura une première partie pour les enfants. Donc vous avez vu un peu l'animation. Il y a une partie aussi pour les adultes le soir, mais ces trois parties-là, elles sont pas... indépendantes, elles fonctionnent vraiment ensemble. Et encore une fois, elles incluent le spectateur et tout ça dans la pièce, ou vraiment au centre de la pièce. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé en français, donc j'espère que vous m'avez compris. pour moi, c'est fini. Enfin, pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, encore une fois, merci de m'avoir invité. C'était super sympa. Je suis super contente de pouvoir parler de notre compagnie. Donc, merci beaucoup et je suis impatient d'entendre toutes vos questions. Des questions, s'il vous plaît. Partagez. Merci beaucoup, Esteban, pour cette très jolie présentation. C'est la première fois, en fait, que pendant tous les. Donc, cette édition, déjà la 8e, je n'ai pas de questions parce que. Ce que j'ai. En tête, c'est une blague. Combien de chats noirs peuvent se trouver dans une chambre noire? Et la réponse correcte est autant bien que tu veux. Donc, c'est pour les versions, 76 versions. En plus, vous avez un chat sur table. Donc, je donne la parole à André, parce que je sais que lui, il a dessiné, il a écrit beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de questions. Moi aussi... Je préfère ne pas poser des questions, peut-être dans nos audiences, en ligne ou offline, il y a des questions correctes, professionnelles, pour la présentation qui est très professionnelle, parce que, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions, mais ces questions, ils ont suivi les unes les autres, et après, j'ai oublié la précédente. Et donc, Esteban, quel âge as-tu? 34, excellent. Parce que ce que je tiens à dire, en fait, la période la plus créative dans notre intelligence de 18 ans à 38 ans, c'est le sommet, en fait,
la créativité la plus expérimentale de l'artiste, c'est cet âge-là. Et donc, vous êtes vraiment au sommet. Et donc, que Dieu vous donne encore une dizaine d'années de cette énergie, de ce feu, de cette flamme, de parler de vos projets. Parce que si nos héros précédents, ils ont été un peu plus âgés, donc ce qu'ils voulaient, c'est que leur présentation, que leur participation dans notre rencontre soit présentée comme un genre de discussion. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est un noyau d'un leader de son propre mouvement qui croit de manière importante, qui a voulu avec beaucoup d'intensité de parler de ses œuvres. Parce que derrière Esteban, ce qu'on voit, c'est ça, en fait, son équipe qui le soutient, qui travaille pour lui. Donc, lui, il se sent responsable pour cette équipe. Donc, merci beaucoup, Esteban. C'était vraiment un exemple brillant de comment les jeunes artistes doivent vraiment présenter, comment ils doivent vraiment montrer de manière très explicite ce qu'ils font, parce que cette période biologique évolutionnelle du corps humain de 18 ans à 38 ans, c'est vraiment, il faut le réaliser, il faut l'utiliser avec beaucoup, beaucoup de jugement. Et j'ai entendu parler des noms que j'aime beaucoup des théâtres de Londres, parce que déjà en 1998, j'ai travaillé avec déjà quelqu'un qui a fait mes deux expositions professionnelles. J'ai fait avec lui une performance, La Reine de la Neige, avec la musique de Oleg Kostrov, vers l'an 2000, on a fait ça. C'était un chorégraphe, Richard. Et en plus, l'école chorégraphique britannique, je la connais très bien, et berlinoise aussi, Sacha Walski, c'est brillant. Pina Bausch, bien sûr. Et l'école chorégraphique française, quant à elle est excellente et unique. C'est Philippe Descoufflets avec lequel, j'ai rencontré aux années 90. Et ce que je tiens à dire, c'est que bien sûr, la scène chorégraphique française, elle a une base unique. C'est la culture surréaliste qui a été créée au début du XXe siècle par les grands artistes comme Buñuel, Dali. Et bien sûr, on se rappelle du Chien d'Andalousie, le merveilleux film, et un film brillant aussi avec de Jean Cocteau, Orphée, qui va aux enfers, parce que certains éléments du décor m'ont rappelé cette chorégraphie surréaliste. Et cette scène magnifique où les gens jouent aux échecs dans le Chien. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, c'est de telle ou telle manière, se base, Chien Andalou, c'est l'héritage culturel des surréalistes et des dadaïstes. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que vous avez parlé du nom de metteur en scène japonais qui a fait vraiment des films merveilleux, Le Labyrinthe de l'Herbe, La Guerre des Ciseaux, Pierre, Papier, et certains projets m'ont rappelé aussi le fantastique cosmo-surréalisme de l'animation française, La Planète Sauvage, parce que j'ai vu des images graphiques comme des personnages comme vous voyez derrière moi dans ce film. Et bien sûr, ce que nous voyons, c'est aussi comment les nouvelles technologies changent de manière inattendue la chorégraphie, le rapport avec la chorégraphie, et ils changent aussi le contexte d'emploi de la chorégraphie contemporaine. Parce que d'un côté, la chorégraphie, elle perd ses positions comme genre de show,
quelque chose d'entretenant, mais ça, donc ça devient plutôt un élément social, parce que quand on a vu le projet d'Esteban sur l'identité de la personne, ça c'est vraiment déjà un contexte, un aspect social et politique qui est touché. Et j'ai surtout aimé le projet où le spectateur, par ses mouvements, vraiment fait l'itinéraire. Et donc c'est mon idée que j'ai eue il y a très longtemps, et la brillante idée de l'animation japonaise, c'est quand un personnage se tourne en autobus. Je pense que c'est Miyazaki donc c'est un chat qui se tourne en autobus, et donc et là c'est un spectateur qui se tourne en tramway numéro 7, autobus numéro 54. Donc ça, c'est vraiment, il s'agit de très bons exemples, de bons jeux surréalistes. J'adore ce chat. Il est vraiment, il danse, il fait vraiment un mouvement de danse. C'est un chat vraiment français, ou je sais pas, c'est des croissants que vous mangez au petit déjeuner. Et quelles questions est-ce qu'on peut poser maintenant? Donc, il y a beaucoup de questions, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ces beaucoup de questions? Moi, je ne crois pas. Je pense que tout est vraiment merveilleux. Donc, continuer comme ça, c'est avec cette énergie, avec ce professionnalisme. J'ai surtout aimé la présentation, parce qu'on peut voir où la première a eu lieu, combien de spectateurs ont accédé à cette première, donc combien d'outils vous avez utilisé techniques, je veux dire, dans quelle ville le spectacle a été montré. Tout ça est vraiment très intéressant. Donc, ce que je veux, c'est que Esteban, vous veniez avec votre compagnie en Russie, et j'espère que l'Institut français va contribuer à cette tournée, et à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et à Yekaterinburg, où il y a beaucoup de chorégraphie contemporaine, à Perm, où c'est vraiment aussi une ville magnifique quant à la chorégraphie. Et donc, on tient à voir les spectacles de votre compagnie, et il faut maintenant rêver comment l'expérience de cette compagnie a fait. Est-ce qu'on peut utiliser en Russie, dans la scénographie russe, comment nous pouvons inviter nos scientifiques sur la scène de danse, parce que les artistes russes et la culture russe, ils ont aussi un historique fantaisiste. Il y a aussi l'avant-garde russe qui est très connue par ses expérimentations dans le domaine de la lumière, du rythme psychique et de la danse extravagante. Donc, il y a beaucoup, le théâtre de Mirkold. Donc, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites au début du XXe siècle. Donc, est-ce que je vous invite d'utiliser l'héritage russe, de connecter ça, de joindre ça aux nouvelles technologies et de créer des choses vraiment parfaites comme, au théâtre comme Sadler's Wells, donc, et sur les scènes françaises. Donc, ça, c'est tout ce que je tiens à dire. Donc, sans aucune question, c'est tout un long commentaire. La seule question à poser est peut-être à votre chat. Alors, le petit chat, est-ce que Esteban te nourrit bien? Est-ce que tu es content de ta vie? Voilà, c'est ça que je peux poser en tant que question. Par contre, on a une question de la part du public du studio des médias. Ah oui, à propos du chat, donc quel câlin aime-t-il le plus? Donc voilà, c'est peut-être ça que je préfère demander. Question maintenant du public. Quelles images avez-vous utilisées dans les spectacles que nous avons vus aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez réuni ces spectacles dans une seule unité, si on peut dire? Ah, je veux dire Wund, dans Wund. Quelles images avez-vous utilisées? Pourquoi vous avez réuni ces différentes images en un seul spectacle? À la base, je pense qu'on l'a pris comme un exercice pour nous-mêmes. De voir ce qu'on était capable de faire sur scène en créant des images. Ensuite, je pense que c'était aussi plus facile pour nous d'exprimer à travers des images un peu métaphoriques que de vraiment dire quelque chose de vraiment très précis.
En fait, on travaille beaucoup sans. C'est Robert Lepage qui disait ça. Il disait une création, c'est un peu comme Christophe Colomb. Il demande à des copains de venir avec lui sur un bateau et ils leur disent allez-y, on va là-bas parce que je pense qu'il y a quelque chose là-bas. Et je me rappelle toujours de cette phrase de Robert Lepage. Et franchement, pour nous, c'est ce qui se passe. On se lance dans un projet, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Non, on sait ce qu'on veut dire, mais on ne sait pas trop quand on crée quelque chose, ce que ça signifie exactement. Et c'est qu'une fois qu'on a terminé la pièce, peut-être quelques mois plus tard, peut-être des années plus tard, qu'on va avoir des flashs comme ça, et puis on va se dire, ah, mais c'est ça que ça voulait dire en fait. Ah ouais, tu vois, pour moi, ça veut dire ça. Et entre moi et Aoi aussi, on va créer la même image sur scène, mais pour nous, ça va avoir un sens différent. Pour moi, ça va être mon interprétation sera différente. Tu vois, pour moi, cette image-là, ça signifie ça, et pour Aoi, ça va signifier tout autre chose. Et pour ça, il n'y a pas de problème. On vraiment se libère par rapport à ça, de vraiment interpréter de la manière dont on veut. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Pourquoi on a rassemblé ces images-là sur scène? Je sais pas, ça nous a beaucoup touchés à l'époque, tout ce qui se passait en Europe, et on avait besoin de le mettre en image, on avait besoin d'exprimer ce qui se passait à l'intérieur de nous, comment on le ressentait. Ouais, désolé, je peux pas, je suis désolé, j'ai l'impression que je te donne pas la réponse que tu veux entendre. У нас еще один вопрос в медиа-центре. Merci beaucoup. On a une autre question de la part du Centre Média. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante concernant les nouvelles technologies. J'ai une question concernant le spectacle qui avait des éléments de VR. Alors, de façon technologique, comment est-ce que vous avez créé cette interaction avec les objets physiques? C'est que moi, je suis passionnée par les technologies VR et je voudrais vraiment savoir comment, en 2016, quand les technologies n'étaient pas tellement avancées, comment est-ce que vous avez pu intégrer cette interaction avec les objets physiques? C'est la première question. Et la deuxième question est plus d'ordre général. Pourquoi n'immergez-vous pas dans une seule technologie? Pourquoi ne choisissez-vous pas une seule technologie? Parce que vous avez parlé de trois spectacles qui impliquaient les trois technologies tout à fait différentes. Alors, pourquoi est-ce que vous choisissez les technologies différentes au lieu de préférer une seule? Merci. Merci pour votre question, je trouve que c'est très intéressant. Première question, comment on a réussi à faire ça en 2015, en 2016? Très simplement, déjà, on n'y connaissait rien à la technologie VR. Donc ça nous a donné une liberté gigantesque de pouvoir imaginer ce qu'on avait envie de faire. Pas de ce que la VR pouvait faire, mais de ce que nous, on avait envie de donner comme expérience à notre public. Donc voilà, on était vraiment. Deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer cette compagnie qui s'appelle donc Happy Finish. Qui font beaucoup de choses, ils font de la retouche photographique, ils travaillent sur beaucoup de projets digitales. Et à l'époque, ils ouvraient leur département VR. Et eux, avec leurs clients, ils n'ont pas la possibilité d'explorer, ils n'ont pas la possibilité de prendre de risques. Mais quand ils nous ont vu venir, moi et Aoi, leur dire, hey, nous, on ne veut que explorer, on ne veut que prendre des risques, pour eux, ça a été aussi une opportunité de pouvoir. S'investir dans quelque chose où justement ils pouvaient prendre des risques. Et donc, troisième chose qui me vient me faire dire ça, c'est que vraiment, nous, quand on s'est assis avec la personne qui programmait tout ça, qui allait programmer ce truc, l'expérience, on lui a dit, nous, on veut que le spectateur soit libre dans l'espace réel, mais aussi dans l'espace virtuel. Pour nous, ça, c'est la clé. S'il n'est pas libre, du coup, il n'y a pas de raison de le faire, en fait. Ce n'est pas intéressant pour nous. Et donc, c'est important, nous, quand on crée des pièces avec la nouvelle technologie, il faut,
faut que la technologie soit au service de notre pièce. Il ne faut pas que ça devienne l'inverse, où la chorégraphie ou l'artiste est au service de la technologie. Pour nous, c'est important. Quand on a créé WIST, on a créé plus de 2 heures de film avec des effets spéciaux, avec du montage, avec du son en 3D, tout ça comprimé dans une expérience interactive par rapport au regard du spectateur qui a été mis dans un casque de réalité virtuelle qui interagit avec des objets, des vrais objets. Donc vraiment, je peux dire que sur toute la ligne, on ne pouvait pas trouver de solution technique. On devait créer les solutions techniques. Et ça a été seulement possible parce que justement, l'équipe technique était vraiment, vraiment flexible de travailler avec nous. Quand il y avait un problème, au lieu de se confronter au problème, on essayait de trouver une solution pour contourner le problème. Et la solution, souvent, elle venait de nos danseurs, de nos performeurs. Souvent, elle venait de comment utiliser la lumière sur scène, comment filmer, ou comment la personne allait programmer, ou comment la personne allait faire le son, ou comment la personne allait faire le visuel VFX. Donc, ça a vraiment été une collaboration très intense avec toute l'équipe créative de WIST. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire cette pièce-là. Sinon, on n'aurait jamais réussi à le faire. Même aujourd'hui, si on devait le refaire, je réfléchirais à deux fois avant de dire oui, parce que ça a été assez intense. Ouais. Et donc, deuxième question, pourquoi pas se garder sur une technique ? Et c'est vrai, je me suis posé la question, on s'est posé la question, pourquoi on est en train de bouger pourquoi on ne se focus pas sur un truc, tu vois, et puis vraiment gratter, mais jusqu'au fond du truc, quoi. Et je ne sais pas, je pense que c'est par nature, on est curieux. Enfin, en tant que, à la base, on avait une formation de danse classique, et puis, tu vois, on a évolué, on est parti vers le contemporain, et puis après, la danse-théâtre. Je pense que c'est par nature qu'on est comme ça, on aime bien se trouver dans un environnement où on n'est pas confortable, où on n'est pas sécur. Parce que je pense que tu es plus ouvert, tu es plus sensible aux choses. Par exemple, le fait qu'on ne vit pas dans notre pays, par exemple, ça aussi, c'est dans la vie de tous les jours, c'est difficile. On parle anglais, on parle assez bien anglais tous les deux, mais on ne parle pas comme un anglais né en Angleterre. Donc, c'est déstabilisant aussi. Donc, il y a toutes ces choses-là, tous ces paramètres qui rentrent en compte. Et je pense que ça nous rend vulnérables, mais en même temps, on essaie de prendre un peu et tout ça nous rend un peu plus, je pense. Да, но у нас еще есть время для еще вопросов. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour des questions. Moi, je voudrais poser ma question. En fait, vous avez une autre question? Est-ce que je peux commencer par la mienne et ensuite on continue avec le centre médiatique? C'est qu'il y a une autre partie de votre travail dont vous n'avez pas parlé aujourd'hui, mais je sais qu'elle existe. Cette partie-là, c'est votre expérience pédagogique, votre expérience d'enseignant. Si je comprends bien, vous animez des ateliers où vous parlez des découvertes que vous avez eues lors de votre travail. Et je voudrais poser cette question de savoir qui participe à ces ateliers. Est-ce que ce sont des gens très proches par formation, par exemple? Est-ce que c'est destiné uniquement aux danseurs qui voudraient étendre un peu, disons, les limites de leur corps? Ou bien vous vous attendez plutôt aux artistes visuels, aux artistes plasticiens? Ou bien c'est plus intéressant pour vous de travailler uniquement avec ceux qui viennent du domaine technologique pour trouver des liens ou des liens hybrides, par exemple, entre vous? Alors, à qui sont destinés ces ateliers? Nous, à la base, on adore apprendre d'autres personnes.
On s'inspire de, je parlais de Robert Lepage par exemple, Roméo Cassiologie, on les admire ces gens-là, on boit leurs paroles, et c'est pareil, je pense que c'est notre devoir à nous, une fois qu'on a exploré un nouveau territoire, une fois qu'on a trouvé quelque chose, de pouvoir le partager le plus possible, donc le partager en montrant la pièce, mais aussi en le partageant, en donnant des workshops ou des lectures. Je trouve que c'est très important de partager le knowledge, de partager tout ça. Et donc, ça, nous, on travaille en collaboration. Donc, on travaille avec des artistes visuels, des programmeurs, des illustrations, avec plein de métiers différents. Et du coup, nos workshops, c'est pareil. On n'est pas restreint à une catégorie, soit danseur ou architecte, ou une catégorie d'âge. Vraiment, nous, on s'adapte vraiment à tout public. Donc, si on nous dit demain, on va donner un workshop pour des enfants, pour comment faire un film à 360 degrés, et ben, nous, on va s'adapter aux enfants et on va vraiment partager le truc ensemble. Tu vois, c'est pas nous qui disons, bon, alors tu fais 6, 1, 2 et 3. Non, c'est pas ça. C'est, on arrive, on fait, bon, bah, nous, on a trouvé ça. Voilà, et donc on vous montre les outils, on peut vous expliquer comment utiliser les outils, mais maintenant c'est à vous d'essayer, de jouer avec ces outils, de trouver des choses, de faire des erreurs, tu vois. Donc ça c'est vraiment notre but dans nos workshops, c'est de vraiment s'adapter à qui on délivre le stage et de vraiment donner la possibilité aux gens de pouvoir explorer à leur tour. Donc, on a donné des stages à des enfants, on a donné des stages dans une école d'architectes, des danseurs, amateurs, professionnels, des photographes. On donne beaucoup de lectures aussi. Comme je disais, si on fait une lecture par rapport à WIS, ça nous prend 3 heures pour vraiment aller dans les détails, comment on a fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui nous demandent ces choses-là. Donc, non, on trouve ça très intéressant de pouvoir partager, justement. C'est important pour nous. Et on ne se limite pas juste aux danseurs. Et comme on tourne beaucoup à travers le monde, et on s'est rendu compte il y a 2 ans qu'on ne connaissait pas vraiment les gens qui habitent à côté de chez nous, nos voisins, notre communauté ici dans notre petite ville où on vit. Et donc, du coup, on a eu l'idée de créer un Creative Hub où est-ce qu'on vit à Ashford. Et l'idée du Creative Hub, c'est que une fois que nous, on découvre des artistes dans le monde entier, c'est de leur dire, hey, tu veux pas venir dans notre Creative Hub? On te donne l'espace, on te donne l'équipement aussi, on a des caméras à 360 degrés, on a des motion capture suits, si tu veux essayer, tu essayes, tu prends le temps que tu veux, mais en échange, est-ce que ça ne te dirait pas de partager ton art avec justement les gamins qui vivent ici, là où on vit, dans notre ville, pour pouvoir justement que les gamins qui vivent à côté de chez nous, qui eux n'ont pas la chance de faire des tournées à travers le monde et de rencontrer plein d'artistes super intéressants, de justement de pouvoir avoir ce moment de partage avec cet artiste qui vient de je ne sais pas d'où, et de vraiment leur ouvrir les yeux quoi, sur le monde, de leur donner une nouvelle perspective sur le monde. Donc voilà, ça c'est un projet, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, pareil, et on essaye de trouver un lieu, on avait trouvé un lieu, mais bon voilà, ça s'est un peu écroulé avec le Covid, mais on a quand même décidé d'avancer. Donc du coup, au mois d'avril, le 1er avril, on va faire quelque chose à Ashford, là où on vit. On va faire un event qu'on a programmé avec 3 artistes, qui sont 3 artistes internationaux qui vont venir exposer leurs travaux ici à Ashford. Donc on est très fiers et on travaille à fond dessus. Et on est impatients de pouvoir justement partager ces artistes avec notre communauté à Ashford. Et voilà. Mais je ne peux pas en dire plus tout de suite. Давайте еще один вопрос. Très bien, merci. On prend une autre question du public. Bonsoir. Ma question porte sur la pièce WIST. Alors, comment est-ce que vous avez construit la narrative
la narration de ce spectacle, puisque si j'ai bien compris, il y avait un nombre limité de parcours possibles. Est-ce que vous avez utilisé des, disons, connaissances systématiques en, en déterminant les psychotypes des gens? Alors, comment vous avez procédé? Donc, on a dû construire l'histoire pour qu'elle puisse être expérimentée en ayant 76 différentes possibilités. Et en même temps, on a travaillé avec un psychanalyste du musée de Freud à Londres qui nous a vraiment guidés à travers nos recherches. Et on s'est basé en fait sur les écritures, sur les livres que Freud a écrits par rapport à ses patients. Donc, ils sont assez connus. Ils s'appellent The Ratman, The Wolfman. Non, The Ratman, Little Hans. Wolfman, Little Hans et Dora. Dora. Donc, ça, c'est des patients sur lesquels il a écrit des livres. Et donc, on s'est inspiré de ces patients et nous, on a créé notre famille fictive. Et ensuite, on a créé leur histoire et la relation entre la journée, l'expérience du personnage avec l'expérience du spectateur, comment ça se mixe ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié la question, pardon, je suis perdue. De quelle manière est-ce que vous avez lié donc, la théorie typologique de l'étude de projet avec la création du scénario? Comment vous avez incarné et vous avez montré cela dans votre mise en scène, dans votre spectacle? Et comment est-ce que ce nombre, pourquoi donc vous avez eu ce nombre d'itinéraires? Comment ça s'est formé? En fait, le nombre, à la base, on ne voulait pas limiter de nombre et on voulait que le public puisse accéder à l'histoire d'en haut jusqu'en bas ou d'en bas jusqu'en haut, de côté à travers ou en diagonale. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'ils allaient pouvoir peut-être se perdre dans une loop, infinite loop. Tu vois, tu n'arrêtes pas de regarder tout le temps les mêmes scènes et tu n'arrives pas à te sortir de cette loop. Donc, du coup, on a dû fermer des portes et donc on a dû décider que si tu avais vu ça et ça, bah, du coup, tu allais directement à la scène suivante. So, en fait, notre histoire, elle se déroule, elle part du haut et elle part vers le bas. Et c'est pareil pour l'installation physique dans la salle. Elle part d'un côté et tu traverses la salle pour finir de l'autre côté de la salle. Et vraiment, on a superposé l'expérience du spectateur avec l'histoire des personnages dans l'histoire. Et en fait, on a créé ça sur papier calque, en fait. J'avais besoin de dessiner l'histoire de mes personnages en pouvant regarder à travers ce que vous allez voir mes spectateurs, en regardant à travers ce que les objets qui allaient être dans la salle. Donc vraiment, ça a été on devait construire tout en 3D. Mais en fait, pour nous, en tant que danseurs, c'est facile. Nous, on a été éduqués à penser à 360 degrés. Dans la salle de classe, tu devais penser à devant, mais tu devais penser à derrière, tu devais penser à tes collègues pendant l'exercice qui étaient à côté de toi pour pas que tu te cognes. Quand tu danses de dos, tu as quand même une présence, soit tu es conscient du public qui est dans la salle. Donc pour nous, la réalité virtuelle, c'était un massive playground, tu vois, c'était naturel pour nous. Donc l'histoire aussi était... En fait, on a utilisé le mot perspective pour l'histoire. On a utilisé le mot perspective pour l'installation. Par exemple, tu as les objets dans la salle, tu as cette espèce de gros cube dans la salle, mais en fait, comment tu sais que c'est un cube? Tu ne peux jamais voir toutes les faces du cube en même temps. Tu vois juste une partie du cube. Donc, en fait, tu travailles sur un préjugement du fait que tu penses voir un cube. Et nous, en fait, c'est ça, en fait. Les gens, ils pensent voir quelque chose. Et après, on leur donne le casque pour qu'ils puissent rentrer dans l'objet. Et une fois qu'ils en sortent, ils se disent, ah, bah, peut-être que ce n'est pas juste un cube. Peut-être que c'est autre chose. Donc, mais ça, on peut en parler plus en détail si on vient à Moscou et on se fait une journée sur Whist. Voilà, quoi. Да, вот еще есть вопрос. Здравствуйте. Даже такое обсуждение скорее. Bonjour, une autre question. Même genre de discussion
on croit qu'au théâtre, les spectateurs doivent être détendus, leur attention attirée par le sujet. Il y a cette sensation, ils entrent en sensation avec les artistes, mais nous, par exemple, on n'utilise pas les mobiles, mais on a tellement l'habitude du mobile que on ne peut plus l'oublier quelque part, on ne peut plus le mettre quelque part. Et donc, est-ce que vous avez eu des versions du sujet quand, dans un local circulaire avec des gradins, donc, est-ce que vous avez eu ce souhait d'avoir un portable comme moyen de réalité augmentée quand il n'y a pas suffisamment d'attributs sur la scène et donc vous pouvez les ajouter et tous les spectateurs en même temps, ils ouvrent leur téléphone pour voir ce qui se passe, où sont tournés les regards de tout le monde et pourquoi donc, les objets disparaissent ou apparaissent. Et c'est quelle animation? J'espère que j'ai bien compris toute ta question. Par exemple, moi, je ne ferais jamais ça. Si, par exemple, on prend un exemple. Tu as un spectacle sur scène et tu as 1000 spectateurs dans l'auditorium et tu leur demandes de prendre leur téléphone et de regarder la scène à travers leur téléphone. Personnellement, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça ta question, mais moi, personnellement, dans ce cas-là, je ne le ferai pas parce que vraiment, ça dirige le regard du spectateur, ça vraiment dirige à travers l'écran et je trouve que ça crée un effet un peu négatif par rapport à ce que tu veux faire sur scène. En fait, pour moi, le but ultime, ça serait d'utiliser la technologie en faisant oublier aux spectateurs leur daily life, you know, the Apple Watch, the smartphone, you know, en essayant de créer une pièce à propos de la nouvelle technologie sans utiliser les technologies qui pourraient leur rappeler leur journée, leur daily journée, tu vois, ça serait vraiment le but ultime. Après, ouais. Я сейчас не перебил. Да. Ну что, спасибо. Vous interrompre. Merci beaucoup Esteban pour cette très belle présentation et merci de vos œuvres qui sont vraiment très belles. Nous vous souhaitons donc une belle continuation de ce que vous avez déjà entamé. Et donc merci André. Pour ces remarques. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Et je tiens à vous rappeler que donc, le laboratoire du Nouveau Média, Zdesna Taganke, l'Institut français, nous, on vous attend dans une semaine, le mercredi prochain, et on continue à parler des œuvres créées et sur base de la danse, donc dans le domaine de la danse contemporaine. Et merci beaucoup, Esteban, à ta compagnie, à ton chat magnifique. Est-ce que c'est un chat ou une chatte? C'est qui? C'est un vrai miracle. C'est très sympa. Celle-là, c'est Louise, et l'autre, c'est Lily. Donc, on en a deux petites sœurs. Louise! Fantastique! Hein? C'est fantastique, Louise! Il est très belle. C'est un bisou, c'est un meilleur bisou. Merci. Merci tout le monde. Venez à notre galerie ici à Taganka. Et donc, ceux qui regardent les terriens, c'est le nom de notre exposition. Et regardez nos terriens. Donc, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.